Bonjour et bienvenue, je suis Zara et comme toujours, je suis ici pour vous parler de la grammaire française. Vous êtes prêts? On commence? Je pars pour la France à vélo. Aujourd'hui, on parle des pays et de la géographie. Regardez cette phrase. Tu vas aux États-Unis demain? Ma maison donne sur la mer Méditerranée. Nous allons habiter en Espagne. Regarde sur la carte, où est le lac? Comme le nom, en français, les pays aussi sont masculins ou féminins. Les pays masculins, par exemple, le Japon, le Mexique, le Canada, le Maroc, le Portugal, l'Iran. Et quelques pays féminins, la France, la Suède, la Suisse, la Corée, la Russie, la Chine, la Belgique, l'Espagne. Quelques pays sont pluriels, par exemple, les États-Unis, les Philippines. Et maintenant, les nationalités. La France, français, française. Français masculin, française, féminin. Le Japon, japonais, japonaise. Le Portugal, portugais, portugaise. L'Angleterre, anglais masculin, anglaise, féminin. La Chine, chinois, chinoise. Chinois masculin, chinoise, féminin. La Suède, suédois, suédoise. La Suisse, Suisse, Suisse. La nationalité est toujours suisse. La Belgique, belge, belge. La Russie, russe, russe. Il ne change pas pour le féminin et pour le masculin. Le Canada, canadienne, masculin, canadienne, féminin. L'Iran, iranien, iranienne. L'Italie, italienne, italienne. La Corée, coréen, coréenne. Le Mexique, mexicain masculin, mexicaine féminin. Le Maroc, marocain, marocaine. Les États-Unis, américain, américaine. Deux avec le nom du pays et avec le nom de la ville. Deux plus le nom du pays masculin, il devient du. Je viens du Japon, je viens du Brésil. Deux avec le nom du pays masculin commençant par une voyelle, il est toujours deux. Je viens d'Iran, je viens d'Israël, je viens d'Afghanistan. Deux avec le nom du pays féminin, c'est toujours deux. Je viens de France, je viens de Belgique. Deux avec le nom du pays pluriel, il devient des. Je viens des États-Unis. Deux avec le nom d'une ville, c'est toujours deux. Je viens de Paris. A avec le nom du pays et avec le nom de la ville. A avec le nom du pays masculin, c'est E. Je vais au Japon. Je vais au Brésil. A avec le nom du pays masculin, commençant par une voyelle, il devient on. Je vais en Iran. Je vais en Israël. Je vais en Afghanistan. A avec le nom du pays féminin, c'est toujours on. Je vais en France. Je vais en Belgique. Et pour le pays pluriel, c'est eux. Je vais aux États-Unis. Et avec le nom d'une ville, c'est A. Je vais à Paris. Regardez ces exemples. Le week-end, elle va en France et en Italie. Le Japon se trouve près de la Corée et de la Chine. On répète deux. Ma maison donne sur la mer Méditerranée. Elle nous raconte son voyage à Londres. Vous faites le tour du monde à cheval?
Toujours quelques exemples. Je vais voyager à Cuba. Nous allons habiter en Espagne. Nous voyageons 2 mois en Europe. Tu vas aux États-Unis demain? Et encore des exemples. Tu prends le bus pour aller en Allemagne. Nous partons pour l'Égypte. Il est né au Maroc. Regarde sur la carte. Où est le lac? Et maintenant, les noms géographiques. La carte du monde, les continents, l'océan, par exemple l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan Arctique, l'océan Antarctique. La mer, le golfe, l'île, l'archipel, la péninsule, le lac. Et les continents sont l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Antarctique. Par exemple, je voyage en Asie. Je voyage en Europe, je voyage en Amérique, je voyage en Afrique, je voyage en Australie, je voyage en Antarctique. Donc, faites attention à « on ». Moyen-Orient, Proche-Orient, Extrême-Orient. Je voyage au Moyen-Orient, je voyage au Proche-Orient, je voyage en Extrême-Orient. Toujours les noms géographiques, le plateau, la forêt, le bois, le désert, la montagne, par exemple les Alpes, les Pyrénées. Et les points cardinaux, l'est, l'ouest, le sud, le nord. Je vais à l'est, je vais à l'ouest, je vais au sud, je vais au nord. Et maintenant, comme toujours, complétez les phrases suivantes. Et les réponses sont « Ils vont aux Philippines la semaine prochaine. » Elle va nous écrire de son voyage au Canada. Tu as trouvé un bon travail en Corée? Nous voyageons au Brésil. Il a décidé de s'installer à Istanbul. Elle a une île près de la Nouvelle-Calédonie. Mon ami habite en Australie. Cette lettre vient d'Inde. J'ai acheté cette plume de Tokyo. On doit aller en Grèce pour ce projet.
Elle aime bien voyager en Chili. Elles sont nées à Québec. Ils partent pour la Pologne en voiture. Je passe mes vacances en Autriche. Skier dans les Alpes, c'est son rêve. Il a acheté un billet pour Lima. Il se rend à Jersey en bateau. Où se trouve l'Irlande? Ce pays, c'est une île dans l'océan. Vous avez voyagé en Asie? Bon, c'était ça pour aujourd'hui. Merci de votre attention. N'hésitez pas à écrire vos avis et vos questions dans les commentaires. Je les attends. Merci. À bientôt.